Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de nous suivre encore une fois de plus. Balandina Bisso Nyoso, Balandina Bisso, il y a Congo Live TV encore une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce lundi. Lelo lundi, Tobandi semaine. Makambo Ibandi Lelo. Lelo lundi le 15 janvier 2024. Masolo Ango Ibandi Lelo. Tobeta balise se belé, tobeta masolo belé, bozola na biso de partout ndenge bolanda kabiso, bozola na biso na France, pourquoi pas Washington, pourquoi pas tolo belé na Kinshasa, Lubumbashi bolanda biso tonto, tolo bina biso, merci de nous avoir honoré, surtout votre fidélité. Lelo tobeta masolo, na basije e belé, otoko bandela, toko beta nan li solo ya liboso, yamboto bandela kalamingite, toko lobela Rwanda na Burundi, boni masolo, ezo tambola. Boni ba incompréhension et tamboli entre les deux pays. Qu'est-ce qui continue au juste entre les deux pays? Tiwa pi masolo kosukela na région ya est. Après que bete masolo na tokokita, tolobela ba affrontement o ezo sale mandenge boyebi biso toja à l'est de la République, do masolo nyoso ya bitumba. Masolo nyoso ndenge le kaka biso toza wana. O ya isesi biso toza wana. Tobeta masolo pa wana. Tobeta masolo naba ressortissant o ya mboka o bazo benga ma epa ya corné nanga to koko makuna. Mais on commence d'abord avec cette nouvelle oyo elobeli ba autorité ya Rwanda na ba autorité ya Burundi boni masolo ezo tambola ndenge boyebi depuis quelques jours masolo bandaki entre les deux pays ezo chauffé kaka ezo continuer bien te masolo ezalaki keno ba autorité oyo ya Burundi ba telema ki balobike non baranguna baza na mabele ya Burundi banguna baza sur le sol burundais ici pe batu bazo sunga bango eza ba Rwandais dans le sens que gouvernement en place mokonzi oyo ya Rwanda Paul Kagame nde azo sunga bango ba autorité ya Burundi ba telema balobike non ekosimbate toboyi masolo ne kosimbate ba telema ki bakangi ba barrière na bango. Après qu'on a babarié, Masolo continue. Vous devez toujours savoir que lorsque Masolo a bakangiango, c'est-à-dire, il n'y a plus de mouvement entre les deux pays. Nous sommes dans le monde, Rwanda est en partie, RDC est en partie, Burundi est en partie. Et le conflit est en tambola wana liboso. Le conflit est continué wana liboso. Et le conflit est en train de se faire. Timu kolonini peuple oyo eza paisible ba bo fanda balobi na bango ke no masolo wana fo esi la maison continue. Le Japon pensait déjà que ndenge bakangi ba frontière il aura des négociations Kigali ko kita esenga tabolimbisi ça ne s'est pas fait totika komona yango te ça ne s'est jamais réalisé. Par contre au lieu que Kigali accepte au lieu que Kigali admette que non Ezandengewana metosenga na biso bolimbisi. Kagame dans son corps, lui qui n'a jamais changé, lui toujours qui est là sans modifier. Il a nié. Aboya kinaye. Alobi que non, il a reconnaître Masolo anate. Awangana ki papa ndenge pe ndenge Pilato awangana Yesu nde boy Kagame awangana ki. Qu'il n'est ni de près ni de loin dans cette affaire. Maba autorité o ya Burundi alobi non, pa mabete. Mabete vraiment to boite mais nous acceptons que tokanga il y a plus de collaboration. Il y a des organisations qui les ont appelé na kofanda po bamona oyo bakosala no esengla ki bafanda kokanga ba barrières za la solution ya suka kosala boi za la kandenge wana mais esimbagite. Quelques temps après boyo ka bien. Écoutez bien les détails. Nous sommes à l'est. To vivre ba makambonyo so tozo bisabino. Tout ce que nous vous disons ici, ce sont des réalités palpables. Oh, biso tozo vivre. Oh, biso tozo tala. Oh, biso tout mon agabouye na miso. Boyolo baki, non, bitumba est déclenché, boy, nous on est là. Mais, quelques temps après, mon konzio ya ba konzio ya Burundi, balobi ki non, il faut que ba tunyon so ya Rwanda, que tous les ressortissants ya Rwanda, ba deguerpisse, ba zongepana bango. C'est-à-dire, si.
Ba sengela ki ba fungola barrière. Si, sengela ki ba fungola ba frontière oyo ba kangaki entre Rwanda na Kigali. Rwanda na Burundi plutôt. Donc, on allait seulement ouvrir ça, ils allaient seulement ouvrir ça, ils vont seulement ouvrir ça, dans le sens que ba fungoli, po ba ressortissa nyonso ya Rwanda, ba dégueurpir. C'est-à-dire, ba tika mabele ya Burundi, ba zonga na Rwanda. Ça, c'est une chose qui désinstabilise les gens. Je vous dis vrai, parmi les choses qui désinstabilisent les gens, oko kimisa batu na mboka ya batu, ça la ka passe na motema. Ba pesa bino soki 24 heures, 48 heures bozonge pa na bino. Il y a des gens qui ont investi, il y a des Rwandais qui ont investi au Burundi. Il y a des Burundais qui investissent au Rwanda, vice versa. Et bon, sur les autres tambola, il y a des conflits qui se lèvent entre les deux pays. La question qui se pose, entre les deux pays, entre les deux pays, banane bazan a raison, banane bazan a tort, banane bakondima, qui vont accepter? Qui vont accepter que les autres perdent? Banane bakondima, non, ils ont abusé des affaires. Parce que Rwanda Kotika n'a jamais kondima que bango de bazana faute. Jamais bakondima lokwana. Ils ne peuvent jamais accepter ça. Jamais. Donc bango bazawana, mais bakondima jamais. Mais sur les autres boy. Tout en moi et lokoyo, ndenge zalaki, ndenge pesamaki, boni bandimaki. Est-ce que Kagame andimaki nae? Face à l'isolo wana, boni ko continue. Est-ce que bakokanga toujours? Il y a des gens qui faisaient des mouvements frontaliers. Babando salango, baoye babimi koto, baki osomba, baoye babimi koto, baki osomba. Et loko zo bangi sabango ke non, demain ou après demain, que le Rwanda, non non, que la RDC etika kosa le loko aboye na Rwanda. Kigali eza katikati. Kigali etika la ozala na problème, atara moutou, donc bazala kana bango bongo kaka. Eza kana ba problème. Eza bongo ne masulu eza la kaka. Bazaki na problème na Tanzanie. Et souleva ki? Le président africain Bakenda, baye baboni masulu ezali. Bazwa ba solution plus tard. Bazwa ba problème na Uganda. Et tambola kutu Uganda ba pesa bango soki 24 heures 48 heures ba déguerpir sol à Uganda. Omoni? Donc, bosi bo investir na mboka bapaya, bosi bo tongi na mboka bapaya, quelque temps après baby si mino ke no il faut bo tambola, et ça la capacité dans motema, c'est une chose qui fait tellement mal au cœur. Mais vous n'avez pas de choix. Sur les pays, ils ont bunda, sur les conflits, ils ont tambola. Lorsque certains appuient, les rebelles ont un bon abattu. Quand ça abattu, ils ont dit, mate, il y a un an d'aïsimi à Télémi, Mokonzi à Burundi, à Télémi, à Boi. Et quelle sera la suite maintenant entre Rwanda et Burundi? Boni et Kozala, Rwanda et Kondima, Burundi et Kondima, Bakotien à Tembe, Sobatilani Tembe, Kagam, nanana. Nanda ishimie, ekozala boni, wana masolo. Toti kananu Kisekedi ya pari, paske Kisekedi ana parti monsusu, wana Republik Demokratiki di Kongo. Soto tiki Kisekedi ya pari, ekozala boni, wana masolo to developpe. Et batika kozala na problem na Kongo. Bazanga na problem na Kongo, et jusqu'à présent, ils ont un problème avec la RDC. La RDC qui accuse le Rwanda d'avoir soutenu les rebelles du M23 sur les sols congolais. Les rebelles du M23 qui sont en train de tuer les gens. Les rebelles du M23 qui sont en train de violer les gens. Tout vivre en haut. Kalamingi te batiki obeta bombe na saki. Ba M23. Le gouvernement congolais s'élève et dit que non, biso ton dimangote. Biso ton dimangote. Nous n'allons pas accepter des choses pareilles. Et bengi, la communauté internationale, et bengi les États-Unis, et tiens ba preuve l'icolo. Voir même les experts en Nations Unies, baye, balobi, que non, d'après les réalités, obiso to palpe. D'après Makambo, obiso to palpe. Et ça, Rwanda, ndezo soutenir ba M23. Mais Rwanda est wangani. Bango ba wangana kaka. Ba wangani. Ba wangani. Ba tika gondima jamais. 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 Donc, bango ba Christo. Et puis, il faut savoir une chose, je vais terminer par là, entre Rwanda, Burundi, Uganda, Bujumbura, le peuple entre eux, Boni et Zalaka. Je vais vous dire ça un peu après. Et puis, au-delà, il y a cause de la problème dans le Congo. Même Rwanda, pas avec deux présidents, pas avec trois présidents, pas échangeant à noter, avec Kagame. Kagame actuellement, qui a un problème sérieux avec Ndayishimiye, le président à Burundi. Tension entre les deux est matée.
Maintenant, on se demande une question. Kagame au milieu. Kagame en problème. Azua problème na Uganda. Kagame azua problème na Tanzanie. Kagame azana problème. Pas azua. Azana problème na Tshisekedi. Kagame yemoko kaka. Akomi na problème na Ndayishimiye. Est-ce que Zaki batuana nyoso? Bazolinga Kagame te. Nde mutuna tuzotuna. Est-ce que Kagame sera capable de faire face à ce quatre pays? Est-ce qu'il y a Kolonga Bango? Si tous ces pays décidaient enfin Bakanga barrière na Bango, Rwanda kuzan l'avenir ni. Quel sera l'avenir du Rwanda na Bamakambwana? Voilà un peu le problème place aux éléments. Voilà un peu boni masolo zo kende. Tala musika mwana mboka uzo fanda na diaspora. C'est ça le problème qui se lève entre Rwanda et Burundi. Qu'est-ce que Burundi réclame? Burundi réclame que non, biso tokangi mabale na biso suite à que Rwanda zo soutenir ba rebelles oyo bazanga na kati ya mboka na biso. Ils sont dénommés Red Tabara. Et puis écoutez ça par nom. Moi je les ai déjà vu boy. Na biso rabino que le Kamboto biso rabino et ça babilo ko biso to parle pas que la réalité des choses. Ngala si la mona ba Red Tabara to kutana bango na banzela to kende kuna ba Bujumbura. Ça il faut pas ça il faut écouter. Ils ne sont pas des gens. Il faut des massacres réels. Babou Makabatu ya solo. C'est-à-dire, Bujumbura est allé, non, non, Soli Kamboye continue, Egosila Mabe. Soli Kamboye continue, Egosila Mabe. Sirse, et Kangi Nango Babarien. Et Kangi, Eboui. Eboui. Le président burundais a été clair. Il a laissé entendre que non, si Kagame blague avec d'autres présidents africains, pas chez moi. Pas chez moi. Et maintenant, lorsqu'il aura des poids entre Kagame et Ndayishimiye, quelle sera la suite? Qui seront les victimes? Lorsque l'un commence à demander l'autre ceci, l'autre demande à l'autre ceci, Ndayishimiye refuse et refuse. Tout en gamin et l'okoyo. C'est ça le problème qui existe à l'est de la République. À l'est, il y a non, à l'est, il y a région. Ndeboye makambo ezo tambola. Lobby lobby, le Congo aussi va écouter les mains. On ne sait pas. Peut-être qu'après investiture, le président de la République il va décider autre chose. On ne sait pas. Je lui dis ici chaque jour, président de la République, vous avez des charges énormes. Tous ces habitants ici de l'est attendent la paix. Et lorsque Tshisekedi va s'élever pour faire aussi la guerre contre Kagame, quelle sera la suite? Quel sera l'avenir du Rwanda? Il faudra préciser une chose, que les Rwandais et les Congolais, certains d'entre eux vivent très bien. Parce qu'il y a des Congolaises qui sont mariées chez les Rwandais, il y a des Rwandais qui prennent des femmes congolaises. Le plus grand problème qui se lève, c'est le gouvernement rwandais. C'est le gouvernement rwandais. Qui fait qu'un Rwandais est vu même en Ouganda comme ça, il est discriminé. Pourquoi? Le président rwandais, ce qu'il fait, ça discrédite tous les ressortissants rwandais. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire confiance à ces gens. Pourquoi? On le voit au travers. Yabatouana. Et ça, le Kolaba congolais. Tobe ta masolo. To continue masolo na biso. Boni, il faut ezala. On va parler des affrontements Oyo Yabazalendo na ba M23. Boni Masolezo continue. Bazalendo na M23. Bazalendo na M23. Mais avant de lire ça, avant de continuer si Wazalendo M23, je devrais lire ceci. Kigali déconseille ses ressortissants qui désirent de se rendre au Burundi. L'appel lancé par le gouvernement rwandais fait suite à la fermeture des frontières par des autorités burundaises depuis le 11 janvier 2024. Kigali, tout en déconseillant ses ressortissants qui désirent se rendre au Burundi, tranquillise des Burundais qui viennent au Rwanda et recommande aux autorités burundaises de garantir la sécurité aux Rwandais qui se retrouvent au Burundi. En bref, c'est-à-dire, président Rwanda, a telemi alobeli mokonzio ya Burundi, que non, il lui conseille de sécuriser tous les ressortissants ya Rwanda au bazana Burundi. C'est-à-dire, il faut veiller si la sécurité. Non, non, ça c'est. Bango balobaki na bango que ça c'est pas mauvais.
sécuriser bango mais ba expulser bango c'est-à-dire à conseiller bango que non ba tunanga wana ya Rwanda baza sur le sol burundais. Je vous conseille de les protéger, je vous conseille de kosunga bango c'est-à-dire assurer leur sécurité des trucs pareils. Et puis tokokote la likamboyo oyo concerné M23 na wazalendo. Comme je vous avais dit, nous sommes là permanents, à l'est de la République. À l'est, ça il faut préciser. À l'est de la République, nous sommes une chaîne bisoto couvrir Likamboyo en exclusivité. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, lorsqu'il y a un truc qui se passe, il y a toujours nos équipes qui se dépêchent sur les lieux pour savoir ce qui se passe. Moi, j'étais là. Je suis arrivé. Je me suis dépêché 10 minutes après que le Cambodge n'a pas commis. J'ai palpé la réalité. J'ai palpé la vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous avons été. Moi, je le fais pour l'intérêt que bino bozana na diaspora, bino bozana na Kinshasa, bino bozana wapi, bino bolanda kabiso, que vous ayez aussi l'opportunité de savoir la vérité, de savoir ce qui se passe réellement à l'est de la République. Wapi M23 na wazalendo wa Komeli. Bazalendo ango bazo salanine, c'est ce qu'il faut savoir. Quel est l'apport de wazalendo dans la guerre qui est en train de se passer? Et je vous dis vrai, moi, je peux vous le confirmer. D'après les réalités que je palpe sur terre, parce qu'on y arrive, Toko Makatu Itali réalité, je peux vous dire vrai ici, pas que non, je fais des promotions pour eux, non. Mais la réalité des choses est que le Wazalendo a commis obstacle Mokumunene pas M23. Le Wazalendo, Boyo Kaka, le Wazalendo qui vous soutenez, le Wazalendo, Otozolobela. Baza obstacle moko pona M23 Bogota la tête. C'est-à-dire, là où se trouve le Wazalendo, le M23 ne peut pas franchir. Parce que c'est déjà bazo tiela bango poids, bango bazo tiela bango mesure. Nebisa ki bino le Wazalendo, za bana oba telemi, bana mboka, ba telemi, ba lobina bango keno, il faut pas bêta, mongole akota te, il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils défendent leur patrie. Ba défendre biloko na bango. Donc, Talango, les camouflages et soukeli. Talango, ma camboboni, ils ont continué. Bazalendo, bazo repousser. M23, je vais vous lire les deux lignes ici pour tout au souka. Des affrontements entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants patriotes ont été signalés ce samedi 13 janvier dans les territoires de Masisi à Matanda. C'est-à-dire, ma petite bazo beta banguna, bobanga la binote, les informations que vous avez ici, que non. Oh, Mungu Kotaki, eza vraiment Lukuta. Merci beaucoup, na ma place nyo sobozo landabiso. Nasuka, nazana sango, o nazo pe sabino. Nasuka, nazana liloba, o yon alingina pe sabino. Bino nyo sobo landaka biso, bino nyo sobo sana kaba komantere pana biso. Bino nyo so, o yo bolinga kabiso. Bino nyo so, obo sutena kabiso na mitema na bino. Trobi vraiment merci. Nasuka nazo pesa bino sangoyo lelo le 15. A partir de lelo to lancer campagne. Campagne ya mobilisation de fonds. Au-delà ya eloko wana ya kosunga chaîne na biso plus particulièrement biso équipe toza à l'est de la République pour la couverture ya bitumba oyo. Ndenge boyebi. Kala mingi te nani etikeli kokoma Sadek. Et à ce qui est qui Sadek est commis. Sadek est en mission ou est en offensive. Donc, il y a un peu de bitumba, un peu de bétan. Sikoyo, dans quelques jours ici, l'opération que vous allez lancer, vous avez une accréditation, une couverture, une éloque. Éloque est singulier au bétan, non, on t'a ma boko. Parce que tu auras des réalités ou est en le cas sur le terrain. C'est-à-dire, et que vous allez lancer, et que vous allez moussoussou, mais vous allez trouver les images, la réalité. Il y a biloko ndenge kobanda. Dans quelques jours là, tokobando la kisabino ba direct. Bokobando talango ba direct o ezoleka. Mais toza un peu coincé, toza un peu bloqué. Yango toye to lobela bino. Lelo le 15. Campagne à mobilisation à fond to sale ko sala un mois, c'est-à-dire le 15 janvier au 15 février. Toza na un mois. Ezako lobakeno
Esengeli tozala kuna po topesaka bino ba direct. Esengeli tozala kuna po toyebisa bino ba vérité oyo ezoleka na kati ya bitumba. Mais nous sommes bloqués. Tozala na posa ya ba matériel, c'est-à-dire tokoza na besoin ya pied ndenge boyebi oyo babenga juste ba trépied. Tozala na besoin ya caméra, tozala na besoin ba eloko songolo po to kende ko couvrir bitumba wana. Po to kende ko couvrir eloko wana ndenge koleka. Ce que yango tozo senga lisungi est pas na bino. Pe lisungi est pas na bino exact kozala to tie un mois. Na un mois na soko kozana 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 1000 dollars, pourquoi pas 5000? Na bato ba linga kamboka. C'est ça aussi être patriote. De zaka ko soutenir bazalendo mais aller au-delà boko sunga biso. Boko sunga biso ba marque ebele. Okoza loba non, ngana za na trépied na kutinda ngo boni. On va vous orienter comment envoyer ça. Ngana za na caméra na kutinda ngo boni. Ouais, on va vous orienter comment faire ça. Okoloba ben, mais ngana za na caméra te, mais ngana za na quelque chose. Toko mundu so boni kutinda ngo ndenge nini. Okutinda ngo na ba agence o ya monnaie, ya ba transfert, o ya monnaie, lokola ba Western Union, lokola ba MoneyGram. Donc okutinda ngo, mais au-delà de ça, tu appelles un numéro. O tulingi to pesa bino, o eza spécifié place okotinda wana. Kombo eza na numéro wana, kombo oyo kotindela nango eza Youssoufou Kibingila David. Notez bien. Et puis pona ba MoneyGram. Pona MoneyGram, kombo oyo kokuta kuna, oyo kotinda eza Youssoufou Kibingila David. Pona numéro, donc ba koloba ke no aza entrepied te aza quelque chose il voulait un peu envoyer. Okotinda ngo na numéro na biso ya Orange Money. Oyo eza na plus 243 80 83 06 602. Je répète encore, oyo azana eloko akotinda pour na sunga biso tous na mwa caméra pour que toi améliorer ba condition de travail bomonaka koza ba air moko invité à sala kay moko pour ta il a fallu tous ami balé pour moi ça très bien. Il y a des fois il faut tous na ba direct ba nini nyoso wana tout ça la kangote pour nous sommes un peu bloqués alors. Tozwaki accréditation oyo ekosala ke no topesa bino ba information ebele si la situation qui se passe à l'est de la République songa biso na numéro oyo plus 243 80 83 06 802. Merci beaucoup de nous avoir choisi vraiment numéro wana bosunga biso numéro wana botindela biso eloko bozana ngo tindela numéro oyo plus 243. Dans le bien plus 243. Nyon soza nango tinda plus 243 80 83 06 802. 80 83 80 83 06 802. Merci de nous avoir choisi. Votre fidélité nous honore. Nous espérons une suite favorable et panabino. Merci pour Bolinga Gabiso. Manifestez votre patriotisme au travers de Kusunga Biso. Nabeloko, mon soussou. Merci et bon début de la semaine. Passez une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.